Un monde à part, le monde du football, vous verrez. Et puis maintenant, il rame pour retrouver un peu de sérénité. Mais ça, ça pendait au monde du football. Et maintenant, il faut se protéger. C'est-à-dire que peut-être que quand un jeune, il signe à 15 ans dans un club, il signe un contrat de stagiaire d'un an, et puis après 6 ans professionnel. Et puis là, après, quand il y a un contrat de 7 ans, il ne peut plus personne tenir, sauf... Et le call, c'est bien. Et voilà, les Français qui vont animer l'envoi avec un ballon récupéré par Del Piero. Zidane qui cherche Padovano. Padovano à un centre. Les multicrampons, ils devraient tenir, ils devraient bien tenir. Vous voyez le système de la... Et c'est vrai que ça donnera peut-être des espaces aux Parisiens, mais ils veulent... Ça commence bien, Michel, hein ? Oui. Zidane. Didier Deschamps l'a dit, hein, il jouait. Hein. Et donc, s'il joue... Certainement attentif à la renaissance de Vincent Guérin. C'est ce qu'il a promis. Attention au corner de Zidane. Et la tête encore avec Deli Valdés. Zidane. Gotti, contré par un de ses coéquipiers, ça repart pour la Juve. Demain, les adducteurs vont siffler, hein, surtout qu'ils sont en reprise tous. Zidane a essayé de s'appuyer. Deschamps. Et Thierry, Zidane. Vous parliez de Torricelli, pardon, c'est le seul qui joue avec des crampons. Il va chercher le corner. Zinedine. Et tous les ballons passent par Zidane, Michel. Hein. Oui, il lui donne. Deschamps. Il a eu... Il a tout le talent qu'on lui connaît. Et là, il y a une bonne occasion. Ah ouais, Del Piero qui sert. Zidane face à la main. Ah, il manque sa frappe pied gauche. Avec une mauvaise couverture de Le Guen, c'est pour ça que Zinedine s'est retrouvé tout seul devant le but. Qui va peut-être tirer. Zidane, il va peut-être décaler Di Livio. Voilà qui est fait. Attention, Del Piero au centre. Eh oui, il centre bien Di Livio. Del Piero qui a redressé. Il va le laisser. Sortie de Peruzzi. Zidane, Deschamps. Zidane à nouveau. C'est bien transmis. Il faut opérer ou pas. Ou s'il ne faut pas opérer, quel est le programme de travail pour Alain Roche qui a couru hier pendant la... Zidane. Le Guen. Torricelli. Del Piero. Attention. Relais de Zidane pour Padovano. Et Zinedine Zidane qui est encore là, attention, qui échappe à Guerra et qui se heurte à Algerino pour un corner. Pessotto. Del Piero Zidane. À nouveau Del Piero. Alors attention encore à Padovano qui traîne dans les 5m50. Porrini est là lui aussi. Zidane, deuxième chance. Oh, et but encore. Et voilà ce qui pendait au nez avec cette frappe de Zinedine Zidane. Regardez, hein. Cette frappe de l'extérieur du pied droit qui contourne toute la défense et qui vient dans le but. Et là, il y a quand même beaucoup de joueurs, se faire rack. Et regardez, c'est cher, Michel. Il y a 6 joueurs, ça fait beaucoup. Et là, le marquage de Rai, de Domi, de tout le monde. Le Roi. Alors du coup, Michel, c'est Laurent Fournier, hein, qui a pris le poste d'arrière. Zidane va se charger du coup de pied arrêté. C'est vrai que ça devient une hantise. Mais oui, ça devient une hantise, forcément. Et Porrini, ça bouge beaucoup. Voilà, et bien sûr, et c'est encore un but. Voilà. C'est le premier but du pied, mais... Oui, mais encore une erreur d'un défenseur sur un dégagement loupé. Pinardi, Deschamps, Zidane, Di Livio. Io préfère jouer avec Torricelli. Zidane. Ballon est toujours pour Turin. Toujours pour Zidane. Avec là-dessus qu'a dû jouer Ricardo au cours du repos. Messieurs, Kennedy. Repris par Zidane. Di Livio. Padovano avec Zidane. Di Livio contourne le Guen. Centre de Di Livio. Zidane. Qui a éliminé le Roi. Zinedine Zidane avec un ballon qui a mieux me préparer, à être plus sérieux. Zidane la sort bien, très bien ce ballon. Sélectionné. Et oui. Donc au niveau international, il va falloir faire très attention pour toutes les équipes françaises notamment. Zidane, un long centre, transversal en direction de Di Livio. Padovano. Zidane. Attention, deuxième poteau, Di Livio. Et il a appelé le ballon, Di Livio.
Zidane, servi par Del Piero. Padovano maintenant. Relance de Leroy directement sur Porrini. Zidane, Deschamps qui peut l'être. Taquinardi, Zidane. Ah, c'est bien joué. Ah, la transversale parfaite. Parfaite. Ah, oui, c'est l'absence totale de confiance. Forcément. Après une telle première mi-temps catastrophique, Zidane qui prolonge sur Padovano avec un jeu à l'arbitre russe. Et du côté de Juventus de Turin, Lombardo qui rentre à la place numéro 20, Taquinardi. Qui est contré, mais pas suffisamment par Guérin. Zidane écarte sur Di Richelli. Zidane rejoue avec Pesotto. Et je crois que c'était Loco qui était même là. Zidane, hors-jeu, signalé hors-jeu, Di Livio. Pesotto. Bon, pied gauche, pied droit, c'est super. Hein. Super pour Zinedine Zidane qui emmène son ballon mais qui est repris par Ngoti sur Giuliano. Pesotto. Dans la course de Zidane. Zidane qui va se centrer, il élimine Ngoti. Ouais, il a éliminé Loco aussi. Et il a tenté sa chance, Zinedine. C'est étonnant de la part de Zinedine. Qu'il soit un tout petit peu égoïste parce qu'il y a Amoruso qui est tout seul devant le but. Il fait un superbe espace. Je ne sais pas si le ballon n'est pas sorti. Non. Et là, il a la possibilité de la donner. Regardez. Encore une intervention de Pesotto. Et Zinedine Zidane. Ça devient difficile là maintenant. Di Livio vers Zidane. Lombardo, s'il peut marquer. Ça ne se passe pas comme ça, étonnant. C'est vrai. Non. Lombardo, frappe de Lombardo. Marqué après une passe de Bettega. Là aussi c'était Zidane. Zidane qui insiste avant de servir. Del Piero. Bien joué pour Lombardo. Lombardo à 100. Repris par Torricelli. Zidane. Zidane en pleine jambe. Ah oui. Ah, puis il a toujours cette façon de conduire son ballon. Et ballon récupéré par la Juve avec Zidane. La tête dans le trou. Zidane. Il a changé ce ballon avec des retours. Je pense pas non plus qu'il y ait beaucoup de spectateurs dans le stadio delle Alpi. Si, un petit peu. Non.